YouTube, ça va comme vous voulez, ça va bande de geeks. Alors nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que en fait, je voulais le faire en vidéo tout simplement pour tester un jeu que j'avais pris le mois dernier. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, bien sûr, le jeu, ça s'appelle Je crois que c'est Lego Star Wars, du coup, que je voulais tester, du coup. Parce que il était, si je me rappelle bien, Lego Star Wars, je l'avais pris parce que il était gratos sur le Play Store. Parce que le Play Store, vu qu'il y a des jeux tous les 3 mois, bien sûr, si vous êtes abonné au PSN, bien sûr. Si vous êtes abonné au PSN, vous avez accès à 3 jeux gratos par mois. Donc, c'est franchement, moi, je suis pas déçu encore. Donc, ça va, tout va bien. Et du coup, on va lancer le petit jeu Star Wars. Je vais voir comment je vais commencer. Je vais jamais tester. Après, on avisera. Espagnol et italien, oui. Ah. Ah, par contre, le chargement, c'est toujours long. Ah non, merde, il fallait mettre. Alors, voir les options d'accessibilité. Web, si tu veux. Pourquoi sous-titre? Ne dis pas que le jeu il est en anglais. Non, c'est vrai. Quoi que non, si c'est marqué Lego Star Wars en français, c'est qu'il est en français. Logiquement. En plus, oui, en plus, c'est marqué tout en français. Donc, logiquement, oui, il est en français. Donc, je sais pas pourquoi il y a marqué sous-titrage. Peut-être pour ceux qui ont acheté le jeu et qui sont pas... comment dire? Lucas. Oh, ah bien. Je vais vous la laisser, tiens. Respire. Maintenant, projette-toi. C'est l'arme d'un chevalier Jedi. Une arme élégante, une époque plus civilisée. Contre un gadget télécommandé, d'accord. Mais contre un homme, c'est une autre histoire. Et retrouve ton ami. Nous allons manger. Rien ne pourra plus nous arrêter. Vous ne devez pas. Il n'y a pas d'essai. Désormais, accomplis ton destin. J'ai besoin que quelqu'un m'explique. Ça va, la petite vidéo d'entrée, c'est cool. Moi, je sais pas, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Lorsque cet icône est affichée, le jeu sauvegarde. Oui, comme tous les autres jeux avec une sauvegarde automatique. On n'en prend rien, le jeu. Bon. Changer de langue, mais je suppose que c'est déjà en français.
nouvelle partie. Allez, oh, on peut faire 4 parties, nice. On peut faire 4 parties, mais je suis tout seul. Oh, bien. Ah ouais, d'accord. Retourner. Oh putain, c'est comme... Oh, c'est par épisode. Oui. C'est à peu près comme le jeu que j'avais testé. Bon, c'est pas la même thématique, hein, le jeu que j'avais testé. C'est Dragon Ball Z Heroes. Je sais pas si vous avez déjà joué sur Steam. Mais le truc avec les épisodes là et les planètes qui tournent. On dirait vraiment dans Dragon Ball Z Heroes le jeu. Ça m'a fait penser à ça subitement en fait. Bon, même si c'est pas le même univers, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, let's go, on commence. Ça va, pour l'instant, tiens. Ça va, pour l'instant, le jeu est... Enfin, après, je vais rentrer dans l'épisode, en soi, mais bon. Quoi ? Il y a une vidéo ? Oh, classe! Bah, de toute façon, je suis con, c'est Lego. Les ambassadeurs du chancelier suprême demandent l'autorisation de monter à bord. Je suis encore dans le cadre? Oh, oh! Comment j'éteins ça? Ah! Oui, bien sûr! Comme vous le savez, notre blocus est parfaitement légal. Ah. J'ai comme un mauvais pressentiment. Bon. C'est excellent en fait, en vrai. Oh, franchement, j'adore. Attends. Attendez, YouTube. Je remets le son. Alors, orienter L pour diriger le vaisseau gauche à droite. Ok. Maintenez X pour accélérer, ok. Appuyez deux fois pour... Ah ouais, t'as le hyper boost, ok. Justement, le hyper boost, c'est bien qu'ils l'ont mis parce que ça reflète le film, du coup. Puisque y a... je sais plus où on le voit dans quel épisode, mais on voit le vaisseau à hyper vitesse. Ça, c'est bien. Alors, appuyez pour tirer sur R2. Il est où? Je suis conduit R2. Putain, le problème, c'est que je vois plus. Ah, il est là. Ok. Bon, appuyez pour continuer. Ok. Nous avons été autorisés à monter à bord. Il est temps pour nous d'engager les négociations. La direction, je crois que... Non. Espace n'a plus besoin de la peine. Oh merde, je peux... C'était couronné ou je sais pas quoi, je sais pas.
C'est pas mal, en vrai. Attends, on va un petit peu augmenter le son. Comme ça. Je sais pas parce que s'il y a un truc, j'ai pas envie que le son soit trop fort. Ha! Suspect ou... Non, bienvenue, ambassadeur. Je suis TC14, à votre service. CSPO lui et un BD2 le petit. Voilà, comme ça. Votre visite nous honore, ambassadeur. Ah non, CSPO il est hors par normalement. Par ici, s'il vous plaît. Donc c'est pas CSPO. Un autre. Je suppose, hein. Oh là là, il y a plein de couleurs. J'ai toujours un mauvais pressentiment, vous savez. Oublie tes inquiétudes, Obi-Wan. Reste concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. Maître Yoda dit qu'il faut être attentif au futur. Mais pas aux dépens du présent. Ton esprit doit rester attentif à la force, jeune Padawan. Oui, maître. Ah, finalement, il est pas si dégueulasse que ça, je le ressens. Par ici, ambassadeur. C'est quoi, c'est un truc à prendre ça ou pas? Non. Oh putain, mais en fait, il y en a tué en fait. Ça peut pas capter. Ah, donc en fait, il faut les tuer. Oh merde, ça fait mal. Ça doit servir à quelque chose, ça, c'est peut-être la monnaie du jeu, je pense. Il n'y a plus rien d'autre à prêter. Oui, bah attends. Hein. Moi, je fais le ménage. Qu'est-ce que c'est ça, toi? T'as un problème? On se fight? Ah mais non, je peux pas les tuer en fait là. C'est quoi le truc? Merde, j'ai pété la télé. Installez-vous confortablement. Mon maître ne va pas tarder. Pensez-vous que leur vice-roi cédera aux injonctions du chancelier? Ces gens de la Fédération sont les négociations seront brèves. Quand elles finiront par commencer, est-ce normal que l'on attende aussi longtemps? Non. Je perçois une peur anormale pour quelque chose d'aussi anodin qu'un simple litige commercial. Si on fait bouger la bouche. Alors, levez la force. Quoi ? Déplacer l'objet, ok. Ouais, ah, d'accord. C'est... J'adore.
Merde. Ah, en plus, c'est une défi. Il n'a rien d'anodin. Du dioxys. Nous devons sortir d'ici. C'était pas prévu. Ah merde, il est avec moi. Tranquille, ah merde. Ta gueule. Ça l'emmerde. Serviteur. Ça va, ils sont bien, ça. Partons avant que d'autres droïdes n'arrivent. Jar Jar, nous devons trouver un lieu sûr. Allez, et alerter les Naboo de cette putain, invasion. Putain, je crois que c'est ça. Mais le plus sûr endroit est Otokonga. Ça est une ville cachée. Tu peux nous y emmener. Ah ah, par ici. Puis ça. Nusa, sous l'eau, c'est Bono. Misa, avertir-vous. Kungan, Mpa, Pagungan. Nusa, pas bienvenue. Ne t'inquiète pas pour nous. Ce n'est pas notre jour de toute manière. Je pense qu'en fait, les trucs ont pas mal, c'est de la monnaie.
Non ? Kenenyel Jar Jar, viens chez Boss. Dis ça dans mon car-car. Oh, il est où, là ? Hein ? Sauvage ! Tu aurais peut-être quelque chose à nous dire, Jar Jar. Missa, on fait Missa, banni. Missa, oublié. Pourtant, il semblerait que ce soit utile de se rappeler pourquoi. Comme je l'ai dit, idiot. Tu nous éclairer sur la raison pour laquelle tu as été banni. Jar Jar, gros balourd ! Boum le caseur, zibouillez limousine du boss. Missa a dit, oui, ça a été accident. Oui, Jar Jar a accidentellement lâché le volant pour attraper ton report miam miam. Merde.
que franchement, ouais, ok, le jeu il est bien, mais je sais pas. Les droïdes est sur le point d'attaquer ça les Naboo. Pas capter le où ça précis pas les Naboo. Nous devons les avertir. Nous ça donne tout ça un bon go. Chemin direct pour Naboo. Oh. Passe par noyau planète. Qu'allez-vous faire de Jar Jar Binks? Partez avec lui. Bon. Allez, allez, bête. Ah, en plus, il faut mettre le contrôle. Plus inquiet de tes antécédents avec les sous-marins. N'aie crainte, ce n'est pas lui qui conduira. Oh merde. Nous ça voilà. Porte fermée. Mais laissez fermer ça. Ah mince. Passez par noyau planète. Un voici là-dedans aussi. Bongo. Dès que vous prêt à être écrabouillé. Ne t'inquiète pas, la force nous guidera. La force? Oh, non, 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 non! Vite, tire! Ah!
Il faut que cette créature se pousse. Tire-lui dessus, Obi-Wan. Quoi ? C'est fini ? Nous a écrabouillé ! Plus gros. Ouais. Oh, putain. On perd de la puissance. Reste calme, nous ne sommes pas encore en danger. Vous ça, dingo ? Correz ! Le danger pour vous ça ? Pas mal. Oh putain! La puissance revient. Marche avant, toute! Missa dit que noyau planète, car au bobo! Ton optimisme constant est vraiment encourageant, Jar-Jar. Il s'amuse avec nous. Oui, mais nous devrions encore pouvoir le blesser. Encore faim. Non, attends. Très joli. Nous devons trouver la reine. Ah, victoire. Saleté de chaise. Il y a aussi un nombre de compétences. Pour l'instant, on casse tout.
Je suppose qu'ils vont l'amener dans leur vaisseau. Si leur vaisseau se trouve dans l'hangar, ta gueule. Ça nous donne le temps de les intercepter. Arrêtez-vous là. La reine vient avec nous. Votre altesse, restez baissée. Ça y est, c'est fini. Je crois. Mais qui de vous nous remercier de nous avoir sauvés? Nous sommes les ambassadeurs du chancelier suprême. Il est urgent d'entrer en contact avec la République. Vous avez des vaisseaux? Dans le grand hangar, par ici. Vous, ça, Kaïd? Ce n'est pas très loin. Restez tout près. C'est dangereux pour la reine ici. Nous devons partir immédiatement pour notre site au sein de la République. Attendez-moi! Ah ouais, le bruit! D'autres droïdes! Je ne sais pas s'échapper! Oh merde! Je vais vous sauver! Merde.
Merde. Vous voulez pas viser ça? Voici le vaisseau de son Altesse Royale. Prêt à partir? Voilà le blocus. Générateur de bouclier est touché. Le système de la pousse, la transmission. Ça repart! Ce petit droïde a réussi! On va manquer d'énergie pour aller jusqu'à Coruscant, l'hyperdrive. Là, maître, Tatooine. Une petite planète, isolée, pauvre. La Fédération du Commerce en est absente. Je voulais le tester. Tatooine, tu dis? Tu as des suggestions pour le meilleur endroit où se tester. Le spatioport de Mos Espa est notre meilleure chance de trouver les pièces. Quand je l'ai téléchargé, début septembre. Pas celui-là. Celui-là, les Star Wars, je l'ai téléchargé. C'était un jeu au mois d'août, un des trois du mois d'août. Et je vais en tester un autre après aussi. Attendez, la reine ordonne que je vous appelle. Elle a de la curiosité pour cette planète. Qui ça? Où ça? Je suis Padmé, une des suivantes de la reine. C'est une mauvaise idée. Mais si c'est ce que la reine souhaite. Maintenant, trouvons un mécanicien qui vend les pièces dont nous avons besoin. Demandons autour de nous. Je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin. Je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un petit chapeau à hélice pour ton petit astromécano crasseux. Il aura un peu plus confiance en lui. Non, mais c'est vrai, hein, sans blague. N'y a rien en réparation de vaisseau. Va plutôt dans la rue là-bas pour voir une course de modules. C'est bien plus passionnant que réparer des hyperdrives. Je te le dis. En fait, personnel. Thank you.
sans blague. Je parie que tu cherches des pièces. Je m'en doutais, c'est pareil pour tout le monde. Il faut aller voir Watteau. Son magasin est de l'autre côté. Ah, bah, rien bien, hein, ce truc de merde. Salut, Chubatanaga. Oui. J'ai besoin de pièces pour un vaisseau Nubian 327 type J. J'ai environ 20 000 datari républicaines. Des crédits républicains, ça vaut rien. Je veux du palpable. Tu es un drôle de petit garçon. Je construis un module de course. Tu dois avoir des réflexes de Jedi si tu pilotes des modules. Demain, il y a la course de la Bunta. Alignez mon module. Anakin. L'argent du prix paierait toutes les pièces dont ils ont besoin. La force est d'une rare intensité chez lui. Cela ne fait aucun doute. Il mérite bien mieux qu'une vie d'esclave. Le garçon m'a dit que tu le sponsorises pour la course. J'ai gagné un module à un jeu de chance. Je parie mon nouveau module contre, disons, le garçon et sa mère. Hein? Aucun module ne vaut deux esclaves. Le garçon. Banco. Si c'est tout ce dont nous avons besoin, allons à la reine et inscrivons Anakin. De côté, putain, sa mère là. Et poussez-vous. C'est tout à fait exact. Un public très nombreux venu aux quatre coins de la bordure extérieure. Et un concurrent de dernière minute, le jeune Anakin Skywalker, un indigène. N'oublie pas, concentre-toi sur l'instant. Ressens. Ne pense pas. Fie-toi à ton instinct. D'accord. Que la force soit avec toi. Il se dirige vers
vers la mer. Et ça, des champignons. Voilà des champignons que je n'aimerais pas manger. Chubalego de Musto. Avec cet accident, c'est fini pour Maurix. Difficile à regarder, mais la foule semble adorer. Pourquoi je peux tomber normalement? C'est quoi ce délire? Faire passer ces modules à travers l'encoche, c'est comme essayer de faire entrer Jara dans le grand speeder et du 34. Ça va être juste. Faut que j'apprenne à diriger quand même entre les machines. Ces pillards de skate ont l'air dangereux.
Le premier tour est terminé. Il n'en reste que deux. Ils parviennent à survivre. Oh oui! La course d'Audi Mondrel s'est vite finie. C'est terrible à voir. Skywalker a perdu son gonfleur d'énergie. Non! Je ne pourrais pas gagner à moins de le réattacher. Pièces dans le hangar. Je passerai plus tard à la boutique chercher le jeune garçon. Maman, regarde tout l'argent que nous avons. Maintenant, tu peux réaliser tous tes rêves, ami. Alors prépare-toi, le temps presse. Youpi! Il deviendra un Jedi? Oui. Et ma maman? Ma place est ici, mon fils. Tu dois voler de tes propres ailes. Je reviendrai te libérer, maman. Sauf que... Je te le promets. Maître Anakin, juste préférer être un peu plus élaboré. Désolée de pas t'avoir fini ces 3 PO. Au revoir. Ah non, je crois... Je sais plus si elle meurt en vrai. Anakin, il est temps de quitter Tatooine. Allons vite au vaisseau. Je vais partir avec vous, dans votre vaisseau. Missa, dérange maître Obi-Wan. Lui, ça, laissez Missa ici. Lui, ça, pas aimé Jar Jar. Je ne crois pas à Jar Jar. Je pense qu'il te trouve charmant. Obi-Wan Jedi, mucho, mucho, mucho. Oh putain, c'est ce où il est là. Yeah.
Vous savez quoi? J'ai reçu de nouvelles informations. Je peux vous déposer là où vous avez besoin. Anakin, baisse-toi! Ah! Poisson loup! Oh! Allez! Oh! Dis-leur de décoller! Eh bien, si nous pouvons éviter de combattre d'autres inconnus à Camouche, nous finirons peut-être par arriver à Coruscant. En effet. Toutefois, je crois que cet inconnu était peut-être un seigneur Sith. Le sénateur Palpatine nous accueille lui-même. Laissez-nous vous expliquer rapidement la situation à Naboo, pour que mon peuple puisse enfin être sauvé. Salutations, Altesse. Maître Jedi. Oh putain, je suis le mec, Continue la partie. Y a pas à se garder. Vous pouvez vraiment quitter les objets de collection seront sauvegardés, mais vous perdrez la progression de l'objet. Ah ouais, bon. Il faut terminer ça. Putain, chiant. Vous revoir en vie est un don du ciel, Votre Altesse. Avec la rupture des communications, nous étions très inquiets. J'ai vraiment hâte d'entendre votre récit sur Naboo. Votre Altesse, seriez-vous d'accord pour m'accompagner au Sénat pour y discuter de cette affaire ? Le chancelier suprême Valorum a convoqué le Sénat pour une session spéciale pour discuter de la situation de Naboo. Mais très franchement, il a peu de pouvoir. Et il y a peu de chances que le Sénat réagisse à l'invasion. Je pense que le mieux serait que Votre Altesse appelle à l'élection d'un nouveau chancelier qui pourrait tenir tête aux bureaucrates et nous rendre justice. Ah, nous y voilà. Ces navettes nous conduiront au Sénat. J'ai d'autres affaires à
Quand vous serez prêt, venez me trouver dans mon bureau et nous procéderons à la réunion. En attendant... Vous voulez vous rendre à l'autre bout de la planète ? Repensez quoi que ce soit qui vous sert de jambe et montez dans un de nos engins. Profitez du voyage. La progression de l'objectif actuel, mais d'accord, mais on se gagne comment alors? Bien. Ah, vous voilà. Êtes-vous prêt à débuter la réunion? Oukini! Ah, Oukini. Nous devons agir vite pour arrêter la Fédération. Silence! Silence! Honorable représentant de la République, j'appelle à un vote de censure à l'encontre du chancelier Valerum. Silence ! Silence ! J'ai décidé de regagner Naboo. Majesté, je vous supplie de rester ici, en sécurité. Je prends Anakin comme élève Padawan. Le moment est mal choisi. Va avec la reine à Naboo pour élucider le mystère des Sith. Chargé de nuages, son avenir est... Pensez-vous que nous puissions convaincre Bosnas de nous aider, Altesse? Quelle autre option y a-t-il? J'ai espoir que nous y parviendrons. Vous, ça, connaissez pas le boss comme Missa? Lui, ça, têtu comme un famba! Toujours aussi optimiste, Jar Jar. Profitez du voyage! N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à activer la petite cloche de notification si tant jamais pour des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Et moi je vous dis ciao bye à la prochaine.